Ok, pas de problème. Oh, pas de problème, d'accord. Où est-ce que tu as entendu parler de ça? Je sais même pas ce que c'est. Je suis ferrailleur, moi. C'est tout ce que je cherche, moi. C'est... Tu n'as pas du tout l'air d'un ferrailleur. Tu es vêtu comme un ravageur. Non, mais ça, c'est qu'un costume. Bon, toi, la tortue ninja, t'arrêtes de me pousser comme ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Peter Quill, ok? Tu te calmes. Avance! Pourquoi? Ronan aura certainement des questions à te poser. Et attends, tu me connais peut-être mieux sous un autre nom. Star-Lord. Star-Lord? Star-Lord, le héros, le rebelle légendaire, Star-Lord. Hein, les jeunes? Avance! Tu te souviens d'Owen Shaw? Comment il a fallu bousiller la moitié de Londres pour le serrer? Eh ben, c'est son grand méchant frère. Tueur des forces spéciales britanniques. Le genre de pièce maîtresse qu'aucun gouvernement ne se vantera jamais d'employer. Comment je trouve ce type? La réponse officielle est « tu oublies ». Il a tué Anne. Il a presque tué ma famille. Il a tenté de m'expédier à la morgue, moi aussi. Pourquoi on est là? Regarde ça, c'est un bahut des boulangeries Hostess. Ouais, je vois un camion Hostess. Et alors? J'ai une envie de Twinkie. Tu viens avec moi? Ouais. Une seconde. Attends, tu te fous de ma gueule? Non. D'ailleurs, tu devrais t'échauffer, toi aussi. En particulier, si on doit descendre cette pente, c'est hyper important. Je crois pas à toutes ces conneries. Hein? T'as déjà vu un lion s'échauffer avant de se jeter sur une gazelle? Cortana. Cortana, vous m'entendez? Cortana, répondez. Ne me regardez pas comme ça, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais si on est ici? Ça a marché. Vous avez réussi. Comme toujours. Comment on ressort d'ici? Oris, frappez fort! Capitaine! Ouvrez la voie! En avant, capitaine! Démolisseur, à moi! Réduis-les en bouillie! Si quelqu'un a bien gagné son grade, c'est vous. La Légion salue votre retour, général. Qui m'avez-vous amené? Seuls les plus forts sont dignes de la Légion Trifarian. Tu n'es qu'un parasite de l'Empire. On ne s'attaque pas aux faibles chiens. Je vais m'en occuper moi-même. N'oublie pas pourquoi tu te bats, mon frère. Comme au bon vieux temps. J'aime bien tes épaulières. Qu'as-tu appris? La guerre n'est pas un jeu, mon frère. Écarte-toi, j'ai du travail. Mon nom est X. La particule de Dieu qui imprègne toute existence et génère la masse. Ah, alors comme ça, c'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Blessé, mais toujours invaincu. Hein? Comment ça? La présidente Bridget Strand est morte? La dernière présidente qu'aura connue l'Amérique morte et incinérée? Et c'est bien sûr la fille qui a été choisie pour remplacer sa maman. Aucune chance que ça marche. Elle n'est pas taillée pour la politique, ça se voit.
Mais ne t'en fais pas. Je la retrouverai. Et après, je la garderai en lieu sûr. Je crois que j'ai compris toute la vérité sur le Death Stranding. Ah, vous ignorez encore tellement de choses, vous autres. Tiens, la fille, par exemple, elle n'est pas comme toi et moi. Ce n'est pas son truc, le Dooms. Son truc à elle, c'est plutôt la destruction à l'échelle mondiale. C'est un agent d'extinction. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi, nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Mmh.